Pierre Hermé is internationally recognized for his inventive pastries and luxurious macarons. Pierre Hermé opened Maison Pierre Hermé Paris in 1997 and now has locations in Europe, Asia, and the Middle East. Here, at his Paris workshop, we listen to Hermé describe what makes a perfect macaron. Et donc, toute la création pour vos 50 boutiques maintenant de par le monde commence ici, à Paris? Voilà, en fait, ça commence ici et là-dedans. Parlez un petit peu de l'aspect là-dedans. En fait, je crée les produits comme j'ai envie, ça veut dire en fonction d'un ingrédient que j'ai rencontré ou que j'ai envie de travailler, en fonction d'une conversation avec quelqu'un, en fonction d'une lecture, d'une image. Il y a plein de sources d'inspiration. Et puis après, je travaille en écrivant la recette précise et puis le dessin qui permet aux chefs pâtissiers qui travaillent avec moi d'avoir les éléments, les proportions entre les différents éléments, les couches, une idée un peu du visuel. Et comment décrivez-vous votre style de pâtisserie? Alors, j'ai pour habitude de dire c'est le goût. Alors ça paraît à la fois banal et ça peut paraître prétentieux, mais en même temps, c'est vraiment c'est le goût qui dirige mon travail. C'est-à-dire que quoi que j'imagine, une fois que je le goûte, je me dis est-ce que c'est bon? Est-ce que ça procure du plaisir? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que j'ai envie de proposer ça aux gens qui rentrent dans les boutiques, Pierre Hermé? Et donc c'est vraiment le style, c'est le goût. Et quelle est la relation de ce que vous faites avec la pâtisserie traditionnelle française? Alors, mais mon savoir-faire, c'est un savoir-faire traditionnel. J'ai eu la chance de faire mon apprentissage auprès de Gaston Lenôtre et j'ai appris les techniques, toutes les techniques traditionnelles, les savoir-faire traditionnels. J'ai ensuite essayé de les peaufiner, d'apprendre davantage. Et ce qui me permet, c'est la base sur laquelle je m'appuie pour créer et pour parfois faire évoluer ces techniques ou leur tordre le cou quand c'est possible ou comment les enrichir. Le travail que j'ai initié sur le macaron, à partir du macaron que j'ai appris à faire dans les années 70 jusqu'au macaron qu'on trouve aujourd'hui un peu vraiment partout dans le monde, je pense que j'ai été certainement un des déclencheurs de ce mouvement en faisant rentrer le macaron dans un champ créatif. C'est-à-dire que moi j'ai appris à faire framboise, café, chocolat, vanille et je trouvais que le macaron manquait de saveur. Et donc à un moment donné j'ai compris que ce qui donnait la saveur au macaron c'est la garniture. Et la garniture doit être abondante. Et c'est ce qui différencie nos macarons de la plupart des autres macarons, c'est l'abondance et la puissance du goût de la garniture. Et ensuite, chemin faisant, j'ai travaillé à la fois sur des contrastes de texture dans les macarons, en y ajoutant, comme dans celui-ci, un praliné feuilleté. Il y a une crème au praliné, plus un croustillant feuilleté à l'intérieur du macaron. Après, il y aurait plein de produits dont on pourrait parler parce que j'ai créé de nombreuses associations de saveurs. Mais aussi, il y a un travail qui m'intéresse, c'est de faire un travail créatif sur une seule saveur. Alors, parce que créer et être créatif en matière de cuisine ou de pâtisserie, c'est pas seulement de mélanger plein de choses. C'est aussi de sublimer une seule saveur. Je prends un exemple de la tarte infiniment vanille. L'idée, c'était de créer un goût vanille qui est le mien, parce qu'aucune des vanilles toutes seules ne me donnait satisfaction. Et donc, j'ai fait une composition entre vanille du Mexique, vanille de Tahiti et vanille de Madagascar, qui me donne un goût vanille qui me plaît. On va dire que j'ai travaillé un peu à la manière d'un parfumeur, où j'ai essayé de composer un goût vanille qui est le goût vanille maison. Les gens qui viennent chez nous, on ne veut pas seulement leur vendre un gâteau, c'est de leur offrir une expérience. Quand on parle d'une expérience, c'est à la fois dans le visuel, dans le choix, dans la manière dont les gens sont accueillis et renseignés, dans la manière où
se passe la vente, se déroule la vente et la proposition et le renseignement sur le produit, et puis la manière dont il est emballé, la manière de... Et puis après, surtout, le plaisir qu'on peut avoir à le goûter.